Bonjour. Donc après ce petit film énigmatique, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un écotone. Il paraît que ça se dit de la même façon en brésilien. Donc c'est cette interface, cette limite entre l'urbanisation et la nature. Et donc voilà, bah je vais vous parler de ça aujourd'hui, et notamment de la manière dont on habite le territoire, la manière dont peut-être on se pose des questions, et on est légitimement en droit de se poser des questions sur le territoire qui nous est offert aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais remercier Fernanda, tout le monde, de m'avoir invitée. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Et je voudrais dire aux étudiants qu'un des plus grands plaisirs pour un enseignant, c'est de retrouver ses anciens étudiants. Donc c'est le cas ici de Camille Bianchi, qui était mon ancienne étudiante, et je suis bien heureuse de la retrouver à l'autre bout du monde. Et voilà. Et donc, moi, j'ai effectivement un parcours assez particulier, puisque je suis à la fois, j'ai fait le pari d'être à la fois enseignante, donc professionnelle, puisque je suis associée d'une agence d'architecture et d'urbanisme, et puis chercheur. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, la présentation que je vais faire se situe plus au niveau de la recherche, entre l'enseignement et la recherche. Alors, ça va peut-être paraître un peu théorique, mais bon, on pourra en débattre par la suite. Donc, j'ai appelé cette présentation « Architecture égale ressources ». Ressources, vous voyez, ça fait penser à la nature, c'est ce dont on a besoin. Et, ah oui, donc il faut que je prenne le petit machin. Voilà. Et donc, je vais développer ça en quatre parties. D'abord, l'architecture, territoire et mythe. Ensuite, architecture ressource. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'architecture peut vraiment être une ressource? Ensuite, le Grand Paris, puisque j'ai eu la chance d'être mandataire d'une grande équipe, d'une équipe qui participe à la consultation du Grand Paris. Donc, je vous en parlerai un peu. J'ai appelé ça entre asphalte et territoire. Et finalement, je vous passerai un petit film sur les mobilités, qui est vraiment un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. Alors, architecture, territoire et mythe. Hop. Ah, ça passe trop vite, là. Non ? Voilà, comme ça. C'est bon. Alors, je vais m'appuyer sur quatre ouvrages, les deux premiers donc, qui n'ont pas été encore publiés, mais qui sont les ouvrages que l'on a rendus à l'Atelier international du Grand Paris. Donc un qui s'appelait « Habiter le Grand Paris », l'autre qui s'appelle « Métropole en relation ». Et puis deux ouvrages que j'ai réalisés avec, qui ont été publiés avec Philippe Villien, d'ailleurs je laisserai un exemplaire à la bibliothèque, avec qui j'enseigne depuis quelques années et avec qui nous encadrons des diplômes sur ce qu'on a appelé la subaglo, donc qui sont un peu ces territoires de limites d'urbanisation entre nature et urbanisation, et dans un objectif prospectif. Alors, 21e siècle déjà, alors vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes jeune, mais vous êtes né dans ce territoire, mais pour beaucoup, en fait, le 21e siècle démarre et on a l'impression de ne pas reconnaître le territoire dans lequel on est. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus depuis, on pourrait dire, depuis les années 70-80, même avant. Donc, j'ai mis quelques ouvrages ici, quelques personnes que j'aime bien. Voilà. Et bon, peut-être vous en connaissez certains, After the City de Lars Lerup, qui a été vraiment un moment important. Et puis, quelqu'un comme André Corboz, que probablement vous ne connaissez pas, c'est un Suisse qui a fait des recherches dans des domaines très très variés et qui dit une chose très importante. Il dit aujourd'hui on ne sait plus représenter le territoire dans lequel on vit, et si on ne sait pas le représenter, on ne peut pas travailler dedans, on ne peut pas le transformer. Donc il y a vraiment une question d'imaginaire, parce que ce territoire il a grandi tellement vite pendant le XXe siècle qu'aujourd'hui on ne sait plus très bien où on en est. Alors évidemment, Rainer Banham avec Los Angeles. Donc ce sont des lectures comme ça un peu nouvelles du territoire du XXe siècle qui m'intéressent particulièrement et avec lesquelles voilà, j'essaie de travailler. Alors, What Had Happened to the Territory? Donc ça, c'est un article qui a été écrit par Antoine Picon. Donc Antoine Picon, c'est un Français, mais il co-dirige l'école doctorale de Harvard.
Il a écrit, alors je ne sais pas si vous voyez bien, un texte qui s'appelle « What had happened to territory ?» Il dit « It used to be... Oh, » j'arrive pas beaucoup. « It used to be synonymous to... » j'arrive pas. « With distance... » Enfin bref. Ce qu'il dit, en tout cas, c'est que l'architecture, aujourd'hui, est fortement liée au territoire. On ne peut plus concevoir un bâtiment seul, indépendamment du territoire dans lequel il vit. Et architecture ressource, c'est ça que ça veut dire. C'est que le bâtiment, c'est plus uniquement un objet posé sur le sol, c'est un bâtiment qui va agir dans le territoire, donc qui va devenir vraiment élément d'action. Et puis cette gravure de Gustave Doré qui montre Londres au XIXe siècle, et on voit bien que les encombrements, les transformations du territoire, elles ne sont pas non plus d'aujourd'hui. Alors un mythe. Un mythe, qu'est-ce que c'est ? Un mythe, c'est un scénario, c'est une histoire que l'on raconte, une histoire qui se répète. Évidemment, Roland Barthes a beaucoup écrit sur cette idée du mythe. Et le XXe siècle, le mythe du XXe siècle, c'était celui de la technique. La technique à tout prix, la technique qui pouvait tout résoudre. Et on voit ici quelques exemples avec... Avec cet exemple de Candilis à Toulouse qui montre, mais bon, c'est tous les Tim Ten, hein, on reconnaît assez bien, qui montre comment les nouvelles formes d'urbanisation vont complètement transformer cette ville historique qui apparaît à l'époque comme un cloaque et comme quelque chose vraiment à éradiquer. On voit bien cette rupture d'échelle, ou aussi Le Corbusier qui montre comment la barre va absolument tout transformer et remplacer autant de logements, donc qui représentent à la même échelle tous ces logements individuels, et il montre que dans une barre comme celle-là, on va mettre autant de logements. Buckminster Fuller qui dit c'est pas grave, c'est assez dramatique ce qui nous arrive en termes d'écologie, hein, donc il écrit ça déjà dans les années 70-60, et il dit c'est pas grave parce qu'on va mettre, la technique va tout résoudre, et on va mettre un grand dôme sur Manhattan, et puis on va réussir à maîtriser l'environnement. Et puis ça, c'est un dessin qu'on voit pas bien, qui s'appelle View from the Road. Les images sont pas très bonnes du tout, mais c'est peut-être mon PDF qui est pas terrible, mais bon, voilà. Alors le mythe du 21e siècle, quel est-il ? L'hypothèse que je fais, c'est que c'est la revanche de la nature, et que c'est peut-être dans les liens entre architecture, territoire et nature que l'on peut trouver une nouvelle... manière d'être au monde, une nouvelle manière de fabriquer notre cadre de vie et surtout une nouvelle manière de le réparer. Alors la nature, c'est beaucoup de choses, hein, évidemment, c'est le sol, c'est la terre, mais c'est aussi l'eau, c'est le ciel, vous savez ce que c'est. Alors architecture-ressources, mais architecture-ressources, justement, ça dit ça, ça dit que aujourd'hui, un bâtiment neuf d'abord, on sait bien qu'on aura beau construire les plus beaux bâtiments qu'on veut, même à San Paolo, la majorité des constructions sont déjà là. Elles ont été construites au XXe siècle. Et toutes celles qu'on va rajouter, elles ont beau être aussi écologiques qu'on le veut, eh bien, ça ne suffit pas. Donc il faut aussi profiter de chaque action qui nous est offerte. Et là, je pense que les architectes ont une grosse responsabilité pour... réparer et transformer ce territoire qui aujourd'hui s'est basé sur un mythe qui, hélas, s'effondre. Alors, ce très beau texte de Rainer Banham qui dit « A home is not a house », c'est assez clair. Et en fait, il, dans ce livre « L'architecture à l'environnement bien tempéré », il dit que les architectes sont beaucoup intéressés à la structure et on sait bien qu'il y a beaucoup d'exemples d'architecture qui fabriquent de l'espace à partir de structures très démonstratives, participant réellement à la fabrication de l'espace. Il dit que les architectes ont complètement oublié tous les flux, l'eau, l'électricité, et qu'en fait c'est probablement ces flux qui peuvent fabriquer l'espace autrement. Et quand il dit « a home is not a house », c'est-à-dire que, voilà, finalement, « a home », c'est tout simplement avoir chaud, être bien chez soi, et ça passe justement, tout ce confort passe par l'ensemble des flux qui fabriquent ou qui pourraient fabriquer l'espace.
Et cette, donc ce terme métabolisme, excusez-moi, il y a une faute, ça c'est l'image de la future biennale de Rotterdam, qui va démarrer, je crois, au mois de mai, et qui s'appelle Urban Nature. Et avec ce petit dessin qui est très, très intéressant. Donc le métabolisme, vous savez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le métabolisme, mais c'est un espèce de cercle vertueux, vous voyez, dans lequel on a besoin de s'alimenter et on a des déchets. Un bâtiment, c'est pareil. Un bâtiment, il s'alimente, il crée des déchets. Et si on arrive à construire une boucle vertueuse où les déchets sont réutilisés pour alimenter, etc., etc., et l'eau n'est pas perdue, mais au contraire, elle est retenue, et donc on arrive à fabriquer un système qui permet de fabriquer un espace autrement. Ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est que ça ne se passe pas à l'échelle de chaque bâtiment. Ça se passe à l'échelle du quartier, ça se passe à l'échelle d'un morceau de territoire, voire d'un territoire entier. Et c'est peut-être cette question qu'il faut qu'on se pose, c'est à quelle échelle est-il pertinent de raisonner le métabolisme urbain. Alors avant, en fait, avant le 19e siècle, les villes avaient leur propre interland, créaient leur propre métabolisme, c'est-à-dire les campagnes et la ville fonctionnaient ensemble. Les campagnes profitaient des déchets et alimentaient la ville. Voilà. Donc c'était un système qui était relativement simple. Et la ville s'est étendue. Maintenant, c'est plus possible de retrouver ce système aussi simple. Donc il faut qu'on en imagine d'autres. Alors ça, ce sont des dessins d'étudiants qui montrent un petit peu la manière dont on travaille ensemble, avec des diagrammes qui montrent aujourd'hui, qui prennent position très clairement sur l'obsolescence, notamment sur la fin des énergies fossiles, les ressources finies, donc tout notre équilibre aujourd'hui qui est basé sur des choses qui sont de plus en plus obsolescentes. Voilà. Donc ça montre que, on est, ça fait un moment que certains le disent, hein, mais on continue comme si ça n'existait pas. Et finalement, on va arriver dans une crise économique, sociale, environnementale encore plus importante que celle que l'on vit aujourd'hui. Et on y est assez mal préparé. Voilà. Donc ça, ce sont des dessins étudiants qui montrent que, on est au fond du gouffre, mais qu'on peut peut-être imaginer d'autres manières, notamment sur les questions dont ça s'appelle le territoire augmenté par des énergies alternatives. Bon, ça, c'est un autre dessin d'étudiant qui montre là-haut comment aujourd'hui on a un territoire occupé. Alors on ne voit pas, il y a plein de petits logos. Je suis désolée, les images ne sont pas très bonnes du tout, mais sont des petits logos qui montrent qu'on a une occupation du territoire qui est très binaire, notamment en lien avec la mobilité majoritairement motorisée. Et si on modifie la mobilité, on modifie également la diversité et l'occupation du sol. J'y reviendrai après. Alors ça, c'est, j'ai appelé ça le génie urbain et les nouveaux programmes. Le génie urbain, c'est tout ce qui participe à c'est pas terrible. Non, c'est peut-être le PDF que j'ai mal fait. Donc c'est ce qui participe à la structure du territoire. Et les nouveaux programmes, alors ça aussi, ce sont des dessins d'étudiants. Et voilà, c'est par exemple à l'occasion d'un puits géothermique, parce qu'il y a un potentiel géothermique dans le sol, on a de l'eau chaude. Et donc, c'est l'occasion de fabriquer un équipement, par exemple un spa, ou un équipement qui profite de cette eau de bonne qualité, de bonne chaleur. Donc les étudiants, en fait, imaginent des programmes. Et je pense que la programmation, c'est vraiment le premier levier de l'innovation, parce qu'aujourd'hui, on est tellement pauvre en termes de programmation. On fait du logement d'un côté, on va faire du bureau de l'autre, on va faire de l'activité de l'autre, on va faire un musée, on va faire... Or, on ne vit plus comme ça, et on a de plus en plus envie d'avoir des fonctions mêlées. Et d'un point de vue environnemental, mêler des fonctions, c'est tout à fait pertinent. Tout à fait pertinent et tout à fait avantageux en termes de gestion. C'est-à-dire quand l'un a des rejets,
mais l'autre profite des rejets pour en faire autre chose. Voilà. Donc alors il y a des serres maraîchères qui sont en lien avec des logements. Il y a ici un système de maraîchage en lien avec un système d'alimentation d'eau et encore une fois une piscine. Ici, c'est une brasserie qui crée de la bière à partir d'un système territorial et énergétique. Voilà. Et puis là, en fait, c'est peut-être que le plus beau patrimoine que le XXe siècle nous a légué, eh bien, ce qui a coûté le plus cher à construire, en fait, au XXe siècle, ce sont les routes, c'est tout ce qui est en asphalte. Les routes, les autoroutes, les parkings, etc. Et là, en fait, bon, c'est un projet de transformation d'une autoroute. Moi, j'appelle ça les monuments métropolitains. Eh bien, ces autoroutes, aujourd'hui, elles peuvent continuer à accueillir de la mobilité et elles vont certainement en accueillir encore pour très longtemps. Mais en même temps, ce sont des grandes continuités dans le territoire. C'est pour ça que je les appelle monuments. Et ces monuments, en fait, ils pourraient être transformés. Donc là, un projet un peu utopique où on a à la fois un passage de la grande faune à proximité des terres agricoles, de l'agriculture urbaine sur le toit, et puis des activités toutes de mobilité, mais qui peuvent, ou des mobilités superposées, permettre de transformer cette grande voie aujourd'hui monofonctionnelle. Et puis si on regarde tous ces petits projets, en fait, en réalité, ils interviennent sur des situations types. C'est-à-dire qu'on a un territoire, le territoire du XXe siècle, il est très générique, très répétitif. Et donc, moi, je trouve intéressant de raisonner en termes de situations génériques. Là, par exemple, c'est un étudiant, une étudiante, qui a travaillé sur la transformation de ces échangeurs d'autoroutes qui prennent énormément de place. Et puis, donc, c'est bien, on peut faire sur un échangeur, puis on fait sur un deuxième échangeur, un troisième échangeur. On se dit, mais finalement, ils sont tous pareils, donc on peut faire la même chose à peu près sur tous. Et à la fin, ben, ça donne une espèce, c'est Paris, en fait. C'est le Grand Paris, c'est la région autour de Paris, la région Île-de-France, on appelle ça. Et donc, à partir de ça, eh bien, on se rend compte qu'on met en place un système qui, en se démultipliant, eh bien, permet d'intervenir un peu partout. Alors, habiter le Grand Paris, donc en 2008, à la fois pour des bonnes raisons et des mauvaises raisons, Frédéric a donné que les mauvaises raisons hier, mais il y a quelques bonnes raisons quand même, le gouvernement français de droite à l'époque a lancé une grande consultation sur le Grand Paris. Alors, la bonne raison, c'est que Paris, c'est tout petit. Paris, c'est ce petit machin-là. Ça fait 10 km de diamètre. Donc c'est vraiment, je le regardais à côté de San Paolo, c'est à peine le petit centre de San Paolo. Donc il y a 2 millions d'habitants, c'est minuscule. Alors évidemment, ça a une réputation absolument énorme. Mais en réalité, c'est tout petit. Il y a 2 millions d'habitants. Et là, il y a 10 millions d'habitants sur le reste. Donc la bonne raison, c'est que on s'occupe assez peu de tous ceux qui sont autour et on s'occupe énormément de ceux qui sont à l'intérieur du périphérique. Et puis, la mauvaise raison, qui peut être bonne, mais dont je considère qu'elle est très mauvaise, c'est un réseau de transport qui va coûter extrêmement cher, qui commence à être réalisé et qui va aujourd'hui, alors ça, ce sont en noir les gares existantes et en rouge les futures gares. Donc il va y avoir quelques gares rajoutées et deux boucles comme ça. Et la raison pour laquelle le Grand Paris a été lancé, c'est de dire ce transport, il faut le financer. Et pour le financer, on va obliger toutes les villes qui ont des gares à densifier un maximum et à construire énormément de logements. Parce qu'à Paris, en fait, on a aussi beaucoup besoin de logements. On est un pays vieux, mais un pays qui a besoin de beaucoup de logements. Et en Île-de-France, donc dans la région de Paris, on a aujourd'hui besoin de 70 000 logements par an. On en construit à peine 30 000. Donc il y a un véritable effort à faire pour construire du logement. Et aujourd'hui, en fait, il y a une espèce de péréquation un peu financière qui dit
on va densifier au maximum au centre, autour de Paris quand même, et on va se payer ce super réseau de transport. Voilà. Alors, en 2008, donc, le gouvernement lance donc cette consultation et appelle voilà, parmi les plus grands architectes au monde, relativement, enfin, il y a quelques étrangers. Hein. Donc, il y a Jean Nouvel, il y a Richard Rogers, il y a Bernardo Secchi, Paolo Avigano, il y a, je ne sais plus, enfin bon, il y en a 10. Hein. Ils réfléchissent à un projet de territoire, à la manière dont aujourd'hui on peut penser une métropole. Alors, je vous montrerai pas d'image aujourd'hui, je pourrais faire une autre conférence sur les travaux des autres, mais je vais vous parler que de moi, donc c'est, voilà, c'est comme ça. Et en 2012, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces équipes, en fait, il n'y a pas que les architectes qui sont à la tête, et c'est une très bonne chose qu'on demande à des architectes de penser le territoire, mais il n'y a pas que des architectes. Dans toutes les équipes, en fait, il y a des sociologues, des géographes, des économistes, des techniciens, des bureaux d'études, etc. Et en 2012, le gouvernement de gauche élargit en fait ces équipes à 15. Et voilà. Et c'est là que nous, on a réussi. On n'est pas mondialement connu, mais on a réussi à se glisser dans cette histoire. Et d'ailleurs, Camille fait aussi partie de l'équipe, puisque dans notre équipe, en fait, on a, dans l'équipe très nombreuse qu'on était, on a mis beaucoup de chercheurs, c'est pour ça qu'on s'appelle Brest-Mariol et chercheurs associés. Et on a mis également des jeunes équipes d'architectes, d'anciens étudiants, qui, voilà, qu'on a envie d'aider, avec qui on a envie de travailler, parce qu'on trouve qu'ils résonnent bien. Et puis, voilà, et puis des bureaux d'études, etc. Enfin, plein de gens avec qui on a envie de travailler, dont on se dit, eh bien, ce serait bien qu'ensemble, on réfléchisse à la manière dont on peut penser le territoire aujourd'hui. Et nous, on a proposé de penser le territoire à partir de l'extérieur. Donc, je dis toujours pas à partir de la Tour Eiffel, mais à partir des terres agricoles. C'est-à-dire, si on regarde la métropole à partir de la nature, ben, qu'est-ce que ça donne? Et comment est-ce qu'on peut totalement inverser ce regard? Et si on regarde à partir de ces territoires qui sont très éloignés de ce réseau de transport, eh bien, on se rend compte qu'il y a une véritable relation forte entre une mobilité très difficile, très dominante automobile, une nature qui est aujourd'hui totalement massacrée, et puis tout ce que vous connaissez, des lotissements à perte de vue, voilà, et donc des zones industrielles. Et si on regarde Paris depuis l'extérieur, ben c'est pas très joli, joli. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant et ça pouvait nous apprendre aussi à regarder un petit peu au-delà du périphérique. Alors 70 logements par an, donc on a fait une très grande maquette et on s'est dit, on a fait, voilà, en noir, il y a nos 70 logements et puis en blanc, il y a tout ce qu'il faut aussi pour accompagner le logement. Parce que, évidemment, faire des logements, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Habiter, c'est autre chose que de faire du logement, que de construire du logement. Alors, le Grand Paris, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise à Créteil, donc qui est une ville nouvelle à 30 km du centre de Paris. Eh bien, c'est un peu cette question-là, en fait, qui nous intéresse. Alors, si on regarde le Grand Paris, vous voyez, Paris est... on a toujours mis Paris sur le côté. Si on l'a jamais mis au centre de la page, hein, on l'a toujours mis sur le côté. Donc, vous voyez le vieux Paris ici. Paris au XVIIIe siècle est déjà une figure très dispersée. C'est peut-être une différence entre Paris et San Paolo. C'est que avant le XIXe siècle, déjà, il y a des petits bourgs, des petits villages absolument partout dans la campagne parisienne. Mais il y a aussi des forêts, des routes. Et puis ce territoire, bah, il s'est agrandi, hein, voilà, il s'est agrandi, et puis il s'est agrandi, et puis il s'est agrandi. Et puis aujourd'hui, il en est à peu près là. Oui. Paris est là. Hein. On voit la Seine ici. Et en regardant alors on a fait beaucoup de cartes en fait pour regarder comment était composé le territoire. On a beaucoup parlé de texture et on a vraiment voulu affronter cette question de la dispersion parce que ce qui nous intéresse dans la dispersion,
c'est... Hop. Non, les images sont meilleures, mais elles passent moins vite. Allez. Voilà. Et alors, cette carte, en fait, c'est la carte de la perméabilité du sol. Donc, on l'appelait texture. C'est-à-dire qu'en blanc, c'est tout ce qui est... Alors là, bon, elle est plus subtile que ça. Hein. Ouais, vous la voyez pas bien. Non, il faut que je reste dans la lumière. Et dans tout ce qui est rouge, en fait, c'est la nature. Plus c'est rouge, plus c'est perméable. Donc, les forêts. Mais on a aussi tous les jardins. Et tout ce qui est blanc, c'est ce qui est artificialisé. Donc, ce sont les routes, les bâtiments et les parkings, toute l'asphalte, en fait, hein, tout le minéral. Donc, si on zoome, bon, c'est pas très subtil, on voit pas, normalement, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais bon. Eh bien, on se rend compte que, même à grande proximité de Paris, eh bien, on a cette espèce de mélange de nature et de bâti qui est vraiment important et dont on pense que c'est vraiment... dans cette mixture, en fait, dans cette texture, que l'on peut fabriquer des nouvelles formes urbaines et architecturales. Et on s'est dit que la densité, on s'est donné une définition de la densité, eh bien, la densité, en fait, pour nous, ce serait construire uniquement là où les terrains sont déjà artificialisés. Ça fait partie de la manière de réparer le sol. Alors, on a regardé, on a fait des zooms, on a regardé des morceaux comme ça, par-ci, par-là. Donc en rouge, c'est toujours ce qui est perméable. Et en gris, ben, c'est ce qui est imperméable, asphalté. Et donc on se rend compte qu'il y a des proportions très différentes suivant qu'on regarde des zones d'activité, des zones pavillonnaires, des grands ensembles, etc., des collectifs. Voilà. Bon, je passe assez vite. Hein. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Et puis, on s'est amusé à découper des morceaux. Et ces morceaux, en fait, on les a découpés de telle manière à ce qu'ils soient jamais homogènes. Et on s'est pas dit, on va travailler sur les zones d'activité et on va travailler sur un lotissement. On s'est dit plutôt, on va prendre des morceaux dans lesquels on a un peu de zone d'activité, un peu de zone commerciale, mais également un peu de zone agricole, et puis un petit lotissement qui est juste à côté, et une route. Voilà. Et donc, ça crée des espèces de morceaux un peu hétérogènes, mais qui aujourd'hui sont essentiellement consommateurs. Alors, ça, c'est une carte des terrains artificialisés, mais uniquement les parkings, les zones commerciales et les zones d'activité. Alors, on dit toujours hein, que les lotissements mangent sur les terres agricoles, etc., mais jamais autant que les parkings des supermarchés et que les parkings des zones commerciales. Si on zoome, ici, c'est une carte avec... Normalement, il y a la Seine. Bon. Et les petits ronds sont toutes les gares existantes. Et donc, on a répertorié comme ça tout un certain nombre de formes, et notamment de ces bâtiments qui sont uniquement consommateurs aujourd'hui. Voilà, des parkings, des boîtes, etc. Et on s'est dit que pour devenir non plus consommateurs, mais producteurs, eh bien, on pouvait commencer à mettre en place une espèce de boîte à outils qui permettrait de travailler soit en interface, soit en combinaison, soit en cogénération avec les éléments naturels, donc avec l'eau, la biodiversité, le CO2, les déchets, l'alimentaire, la chaleur, l'air, etc. Et c'est en fait dans ce travail en articulation entre en interface, par exemple, ou comment on peut trouver de nouveaux équipements à mettre dans l'espace public qui vont permettre, je sais pas, d'améliorer la biodiversité, de récupérer les eaux pluviales, de gérer ça on n'en a pas parlé, mais de gérer l'assainissement. C'est vrai que la question de l'alimentation de l'eau pure est importante, mais la question de l'assainissement, c'est aussi un sujet. J'imagine que vous êtes tout à fait concerné par le sujet également. Dans ces territoires-là, c'est absolument terrible, quoi. Et créer des égouts dans ces territoires-là, ça coûte vraiment des sommes extrêmement importantes. Voilà, des volumes à vent, des volumes à oxygène, des serres et des restaurants. Voilà. Donc on a imaginé tout un vocabulaire en fait qui permettrait là
de travailler plus sur l'espace public, hein, un espèce de mobilier urbain qui fonctionnerait avec les éléments naturels. Et on s'est dit que bien, habiter aujourd'hui, ce n'était pas uniquement construire un beau logement, mais c'était intervenir dans le territoire en lien avec toutes ces ressources. Alors là, en fait, bon, ce sont des petits dessins que l'on a fait comme ça, un peu théoriques, hein, dans lesquels le noir, c'est le logement, le rouge, sur tous les volumes, on va dire, bioclimatiques, énergétiques ou autres, et le blanc, c'est autre chose, ce sont des programmes autres. Alors, soit les fonctions sont mélangées, plus ou moins mélangées, soit elles sont côte à côte, mais il y a énormément de configurations, et vous voyez bien que c'est à l'infini. Et alors après, on s'est amusé à regarder comment ça pouvait aussi nous raconter autre chose. Alors vous voyez, on est un peu dans de la recherche théorique, hein, mais d'autres manières d'habiter, d'autres manières de fonctionner et peut-être d'autres formes. Voilà, donc encore une fois, bon, c'est pas très bon. Hein. Non plus, on joue la même chose. Voilà. Et puis après, donc quand même, pour ne pas rester complètement théorique, eh bien, on a travaillé sur une faisabilité absolument, pas complètement réelle, mais on a vraiment travaillé avec un bureau d'études qui fait aussi beaucoup de recherches sur le stockage énergétique, sur la récupération des eaux, sur etc. Et on a pris, on a regardé un endroit qui, dans notre carte sur les textures et sur l'hétérogénéité, un endroit qui serait le plus hétérogène possible. Alors je vais passer. Donc, hop. Voilà. Donc on a pris ce terrain-là, qui est, alors là c'est une grande route nationale, et puis ici on a une zone commerciale absolument gigantesque, et à côté de cette zone commerciale, on a des terres agricoles de chaque côté, et puis là on a un secteur pavillonnaire et de la forêt. Et on a regardé, évidemment l'eau a complètement disparu, hein, mais ça c'est comme San Polo, on n'imagine pas que c'était une ville d'eau à l'origine. Eh bien, l'eau a complètement disparu, donc on est allé la rechercher sur des vieilles cartes, pas très compliqué, hein, sur les vieilles cartes, l'eau est permanente. Hein. Donc, puis on l'a reposée sur le terrain, et puis on a vu qu'évidemment, elle passait en plein milieu du parking du supermarché. Cette eau, en fait, je vais passer assez vite, cette eau, elle est devenue un espace public au milieu du parking. Et donc cet espace public, on l'a imaginé accompagnant un espace public, quoi, des promenades, des piétons, des vélos, etc. Et puis, mettant cette espèce de mobilier urbain qu'on a imaginé. Ensuite, cette eau, alors là ça va être délicat parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ensuite, cette eau est venue régénérer et fonctionner. Alors chaque petit pavillon, parce qu'on a une zone pavillonnaire à côté, on peut imaginer que chaque petit pavillon devient producteur d'énergie. Alors c'est vrai qu'en France, on a besoin de plus d'énergie que vous, hein, parce qu'on a besoin de se chauffer. Hein. Mais la question de l'énergie est vraiment importante. Et chaque petit pavillon peut venir producteur. Évidemment, le centre commercial, a priori, on le laisse là pour le moment, mais on le couvre de panneaux photovoltaïques et puis de récupération des eaux pluviales, etc. Et puis après, évidemment, cet espace public, il devient, il gère les eaux, mais il gère aussi les eaux d'écoulement, les eaux pluviales, mais aussi ils gèrent les eaux d'assainissement. Parce qu'il y a quand même des systèmes d'assainissement qui aujourd'hui commencent à faire leurs preuves et qui prennent un peu de place, mais qui sont quand même beaucoup plus intéressants d'un point de vue environnemental et d'un point de vue des coûts de gestion aussi. Voilà. Donc, et puis après, on implante des programmes, et les programmes, en fait, ils sont dictés par la situation dans laquelle ils s'implantent. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur, et ça, ce sont vraiment des programmes qui existent en Hollande, par exemple. J'avais vu ça quand j'enseignais en Hollande, un soir, dans mon hôtel, il y avait une espèce de petite revue d'opérations de promoteurs. Il y avait une opération de logement qui était branchée sur des serres agricoles. Et tout ça parce que, évidemment, en se branchant sur des serres agricoles, eh bien, les logements pouvaient échanger à la fois en termes d'eau et de chaleur
Et donc, on a deux équipements côte à côte qui sont connectés et qui ont des besoins complètement complémentaires. Donc, à un moment, ça devient totalement évident que c'est intéressant pour les deux de se mettre côte à côte. Et donc, c'est toute une imagination comme ça qui peut se développer autour de programmes qu'on peut imaginer et qui sont totalement dictés par ce qu'on trouve. Voilà. Donc, on investit totalement le parking du supermarché, qui est un espace totalement... Bon, pour le moment, on laisse les voitures, hein. On laisse les voitures, mais on fait tout pour que l'espace des voitures puisse devenir autre chose un jour. Voilà. Donc ça, c'est tout le système d'énergie et d'eau. Alors on l'a totalement calculé, hein. On a construit 400 logements, et on l'a calculé d'un point de vue énergétique. Mais l'important, c'est pas tellement cette faisabilité-là, si on en est assez fiers, mais c'est qu'en fait, tous les systèmes d'eau, d'énergie, d'assainissement sont totalement dispersés, c'est-à-dire aucune occasion n'est laissée de côté. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est de se dire que on ne compte pas sur une solution pour résoudre tous les problèmes. Comme aujourd'hui, en fait, on met tout en sous-sol, on va avoir des tuyaux, et on va se dire, ce serait bien comme ça, on ne voit plus rien, et ça marche, on est branché. Vous voyez ? Et bien là, en fait, on considère que la vraie résilience, c'est vraiment d'avoir une approche totalement dispersée et totalement... s'il y a un système qui lâche, il y en a un autre qui prend le relais, et donc chacun prend une responsabilité dans cette espèce de boucle. Vous voyez qu'il y a une échelle d'un quartier, en fait. Hein. Et ces nouveaux logements en arrivant, et ce nouveau programme en arrivant, eh bien, participent d'une espèce de... On appelle ça un collectif territorial, hein, d'un système collectif qui fait que chacun est à la fois réparé et vient jouer son rôle dans l'ensemble. Alors voilà, on a fait pas mal de coupes qui montrent que ces programmes sont on est allé assez loin dans la faisabilité des programmes, et on a laissé libre cours à notre imagination. Jeunes architectes ont largement travaillé là-dessus avec nous. Donc ça donne récupération des eaux avec des piscines, etc., etc. Puis bon, on a dessiné les plans, et on s'est dit que, et en même temps, en fait, tout quand on travaille de cette manière-là, ce qui est très intéressant, c'est que tout espace technique doit trouver un usage social. Hein. Donc on ne raisonne plus du tout la technique seule, mais au contraire, c'est vraiment l'occasion de développer, encore une fois, tout un imaginaire de vivre ensemble. Et... Hop, 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 je vais trop vite. Voilà. Voilà. Alors, la dernière partie, c'est altermobilité. Parce que, donc moi je suis convaincue, enfin je crois que c'était assez simple, là il y a une grande adéquation entre la forme du territoire et la mobilité, et on sait bien que le territoire tel qu'il est aujourd'hui, il a été rendu possible grâce à la voiture. Le train a commencé, mais la voiture a amplifié complètement ce phénomène. Et aujourd'hui, si on utilise moins la voiture, ce qu'on voit dans les centres-villes européens, en tout cas, c'est un usage moins important de l'automobile individuel, hein, ce qui ne veut pas dire que l'automobile disparaît, hein, on n'est pas complètement utopique, mais elle devient plus collective, elle prend d'autres formes, et dans ces cas-là, eh bien, les fonctions changent et les formes changent. Donc il y a un retour au commerce de proximité, parce qu'évidemment quand ça devient un petit peu plus compliqué de se déplacer, etc., etc. Et donc les fonctions changent. Et donc les mobilités alternatives au tout automobile, c'est un vrai pari dans ces territoires-là, évidemment. Hein. On n'a pas pris les territoires les plus faciles. C'est plus facile en plein Paris quand on a le métro, plus maintenant le tramway, et qu'on peut se déplacer sans problème en transport. Mais dans ces territoires-là, eh bien, ça nécessite encore une fois de démultiplier toutes les mobilités possibles. Et là, on a fait un travail, et ça va être l'objet du petit film que je vais vous montrer,
qui va terminer, ouais, je pense qu'on est juste dans les temps, on a essayé de... Bon, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps, on a fait plusieurs recherches là-dessus, et on a réussi à démontrer que dans les territoires où les gens se sentaient un peu laissés pour compte, c'est-à-dire que, voilà, on en a parlé hier et avant-hier, les populations, en tout cas les moins riches, hein, parce que les plus riches ont encore les moyens de vivre autrement, les populations les moins riches qui sont renvoyées dans les territoires périphériques, bien, au début, ils sont très contents, et puis après, ils se rendent compte que c'est un mauvais calcul, parce que les mobilités, la voiture leur coûte extrêmement cher, ils n'en ont pas les moyens. Et donc, ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille sur toutes ces organisations un peu qui est de l'ordre souvent du bricolage, que les gens mettent en œuvre, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leur voiture au quotidien et en permanence. Et donc, on est allé à la recherche en région Île-de-France. On avait travaillé sur d'autres régions, on a travaillé sur l'Allemagne aussi sur ce sujet-là, sur toutes ces initiatives qui sont des véritables innovations, des innovations sociales, parce que les gens sont obligés de fonctionner ensemble. Donc ça crée des relations très très fortes. Ça peut être des associations, ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui se sont implantés en périphérie et qui se rendent compte que s'ils ont envie que leurs salariés soient à l'heure, s'ils ont envie de recruter les gens, eh bien, il faut qu'ils les aident à bouger. Et souvent, ils n'ont pas les moyens d'utiliser leur voiture. Voilà. Voilà. Donc on a travaillé sur des réseaux. Ça, c'était à partir du petit quartier sur lequel on a travaillé, que je vous ai montré tout à l'heure. On a travaillé sur des nouvelles liaisons, des haltes intermodales, plein de petits programmes qui peuvent venir complètement occuper le territoire et en même temps rejoindre la question de l'espace public, la question de l'eau, parce que l'eau aussi, en fait, l'eau, la biodiversité, la nature, c'est aussi une question de mobilité, c'est aussi une question de flux. Tout ça, en fait, la nature, elle a aussi besoin de bouger, et donc les deux vont tout à fait bien ensemble. Et avec tout ça, en fait, on est allé en grande périphérie de Paris, et on a vous allez voir le film tout à l'heure, on a organiser des ateliers avec des associations, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, et on a travaillé avec eux sur la manière dont cette boîte à outils qu'on a constituée, ils ont tout de suite très bien compris, hein, cette boîte à outils pouvait permettre de transformer le territoire. Évidemment, c'est pas le territoire aujourd'hui, hein, pour qu'ils arrivent à raisonner, à fonctionner avec nous, bien on leur a dit comment est-ce que vous imaginez le territoire dans 10 ans, 20 ans. Voilà, au début, ils ont commencé à faire la tête parce qu'ils sont très, très pessimistes. Et puis après, ils ont commencé à raconter tout ce qu'ils font et toutes les difficultés qu'ils rencontrent et puis toutes les solutions qu'ils peuvent trouver.